Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la personne est un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. J'étais en top tendance sur Twitter devant le séisme au Maroc qui a tué plus de 2000 personnes. Et je me suis dit que le monde ne tournait pas rond. Et j'ai halluciné qu'en 2023, on se serve encore de la moindre occasion pour avoir des propos sexistes.